c'est le même groupe depuis la sixième. Du coup, le fait de prendre cette classe quatrième, on a déjà un groupe qui est formé. Et là, vraiment, ça les lie tous à travers ce projet qui dure sur une année complète où ils attendent ça depuis, avec impatience parce qu'ils ont vu déjà les plus grands faire le projet les années précédentes. Donc, ils ont hâte d'arriver en quatrième pour justement participer à toute la lumière sur la SECPA. Et à travers cette aventure qui dure un an, notamment avec l'intervenante Axel qui vient nous aider cette année, eh bien, ils se construisent eux-mêmes, ils se découvrent, ils franchissent des paliers chaque semaine, ils se lâchent complètement. Et en tout cas, moi je trouve que ça crée vraiment une énergie positive pour la classe, pour le groupe qui est super parce que après dans tous les apprentissages, ça me permet de rebondir dessus et de gagner en autonomie, de gagner en sincérité, en valeur partagée. Que des choses positives qui permettent vraiment au groupe d'avancer, d'être bien au collège, de venir avec le sourire. Je viens du documentaire. Je choisis souvent avec les élèves des sujets de, on va dire, de société, que ce soit cette année, donc c'est sur les clichés, les stéréotypes ou les relations filles-garçons. En général, je choisis plutôt des sujets comme ça sur lesquels on va réfléchir quand même pendant un bon moment. On fait des débats, on écrit des textes par rapport à ce qu'ils ont vu, d'abord en faisant un peu tous ensemble pour que ce soit un peu plus facile. Et ensuite, donc, ils écrivent des textes, on les aide, hein, avec les enseignants, évidemment, à écrire. Ça peut être à la dictée aussi, hein, simplement. On se demande un peu comment on va mettre tout ça en image, comment on va pouvoir le tourner, le faire passer à l'image, donc que ce soit parfois des textes qui sont enregistrés et qui sont présents dans les films, ou des mises en scène, comme là on a fait sur les clichés. On réfléchit à ça tous ensemble et puis après on tourne. Moteur, action, coupé.